Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Antonini qui est un peu freiné, est-ce qu'on va réussir à choper les deux dixièmes qui ne sait pas? Le mec a zéro de maths, hein. Cela fait déjà plusieurs années que j'ai complètement stoppé les vidéos sur YouTube, et aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre. Nouvelle interface, nouveau nom, tout va changer sur la chaîne YouTube. En effet, jusqu'à la dernière vidéo, cette chaîne était axée quasiment entièrement sur le gaming. Cette fois-ci, plus de gaming, changement radical dans le contenu. Donc le contenu auparavant était orienté principalement sur les jeux vidéo, les FPS, les jeux de course automobile, de course de moto, et on retrouvait énormément de Fortnite. Cette fois-ci, c'est complètement terminé, en tout cas complètement plus ou moins, puisque je ferai peut-être des lives, soit sur YouTube, soit sur Twitch, je verrai sur des jeux vidéo, c'est probable, mais en vidéo, en tout cas, il n'y en aura plus. Désormais, on va axer cette chaîne sur trois axes principaux, donc ce sera orienté plus sur l'automobile, les montres et le cyclisme. Donc comme je disais, trois axes principaux sur la chaîne, donc l'automobile, ce sera très certainement des vidéos historiques sur l'automobile, des vidéos en partant de miniatures automobiles ou peut-être même des tests IRL d'automobiles. Ça reste à voir, à définir. Ensuite, au niveau des vidéos de montres, ce sera très certainement donc des vidéos sur les produits que j'achèterai, où je donnerai mon avis, mon ressenti sur les produits, puisque de toute façon, je ne suis pas horloger, je ne suis pas en mesure de vous apprendre des choses sur le sujet, mais je peux partager mon retour et on va dire mon appréciation de ces différentes montres que je pourrais essayer en tant que consommateur et amateur de montres. Enfin, concernant les vidéos de cyclisme, ça reste également à définir. Peut-être que ce sera des tests de produits, des vlogs, je ne sais pas du tout sur quoi je vais m'orienter dans cette catégorie-là. En tout cas, si l'un des trois points principaux de l'avenir de cette chaîne YouTube vous régale, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne ou si ça est déjà le cas, à la rester et à suivre la suite de ces aventures. Je vous invite également à poster un petit commentaire pour me faire des suggestions au niveau de la qualité par exemple, ou suggestions de contenu, ce que vous aimeriez voir dans les trois thèmes que j'ai indiqués. En tout cas, moi, j'en ai fini pour aujourd'hui. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. C'était Verti, allez, ciao ciao.